Le principe, c'est vraiment de faire un remplissage. Alors, si vous faites un remplissage rapide, vous voyez que ça sort directement des queues d'aronde. Donc, il va falloir vraiment venir en diago, donc en diagonale, pour faire plusieurs remplissages, pour vraiment que ça remplisse dans la queue d'aronde. La natte, ici, vous avez un système d'accroche, donc il faut vraiment que la natte, elle rentre à l'intérieur. Et le principe, c'est que c'est justement le mortier colle qui va rentrer dans la natte et qui va être adhérent à l'arrière du carreau. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler ce qu'on appelle à l'avancement. Vous allez venir coller le carreau directement frais sur la natte. Okay, on évite de faire une pince à zéro, d'attendre que ça sèche et de revenir le lendemain avec un mortier colle. Puisque pour avoir une désolidarisation impeccable, il faut vraiment que le transfert soit fait sur les deux. On va re-remplir, donc normalement il faut un peigne adéquat, là on est sur un peigne de 6 mm. Et surtout, double encollage. Adéquat. Et sur le carreau, pareil.